Bienvenue à l'émission point virgule et cette semaine, bien on a une continuité avec Monsieur Gérard Pelletier de Tata Franco euh, et on continue avec un cours extrêmement intéressant parce qu'on apprend énormément de <laughs> choses. Bonjour Monsieur Pelletier. Alors bonjour et encore une fois merci de m'avoir invité. Alors les données, quand on parle de sciences et d'intelligence artificielle, il faut parler de sciences et données, puis quand on parle de sciences et données, il faut parler de données. Alors, les données massives, si on ne les gère pas, s'il n'y a pas de science pour les gérer, les traiter, on va, on va être noyé. On va être carrément, on va disparaître parce que il y en a des millions, des milliards. Alors, la science des données, ça touche la science informatique, ça touche la technologie de l'information, l'apprentissage automatique, enfin, ça touche les mathématiques, les statistiques. C'est vraiment, vous le voyez, c'est, ça permet de développer des applications s'il n'y a pas ceci il n'y a pas cela alors la science des données permet de colliger et d'analyser d'énormes quantités de données relier des renseignements parcellaires et de rendre cette amalgame commercialisable utilisable ça dépend des organisations mais il faut c'est ce qu'on appelle le traitement bon alors la science des données par des croisements de diverses sources de données. La science des données permet d'identifier des liens entre celles-ci afin d'expliquer et de comprendre des phénomènes pour ensuite les prévoir. On va le voir plus loin, la gestion des... Euh... Alors les données, il faut retenir qu'on parle des, des V7. Alors, le volume gigantesque, la variété des chiffres, des images fixes ou en mouvement, des sons, tout ce que vous voulez. La vitesse. 24 heures par jour, par fibre optique. Il faut s'assurer de la véracité des données, parce que si on prend des données fausses, c'est totalement inutile. Il faut s'assurer de leur valeur. Toutes les données ne sont pas utiles nécessairement pour une organisation. Donc, il faut les traiter. On va voir tout à l'heure comment. Il faut les protéger, parce que vous le savez, la, les données sont vulnérables. Et je vais vous donner un exemple. Dans un casino, il y avait, dans un casino, c'est extrêmement sécuritaire. Et pour rentrer dans le serveur central, les fraudeurs ont passé par l'aquarium. Parce que l'aquarium, à chaque heure ou deux heures, en tout cas c'est pas important, il y, avait, il y avait un traitement qui était pour nourrir les poissons, filtrer, ainsi de suite. Bon, ils sont entrés par l'aquarium, puis par l'aquarium, ils sont entrés dans le serveur central, et là, ils ont pu euh, sortir je ne sais pas combien de millions de dollars. Parce que tout est lié et chaque... T'sais, les gens disent, attends, on va, le serveur central, lui, c'est impénétrable, certainement. Mais il n'y a, a, a pas toujours, mais il y a toujours une façon, enfin, un, un bon fraudeur va trouver la façon de pénétrer dans votre serveur. Alors, donc, la les données sont vulnérables, il faut les protéger. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la visualisation des données. À partir des... ça peut être des histogrammes, ça peut être des tartes, ça peut être des tableaux, ça peut être. Il y a, il y a plein, 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 plein de modèles. Mais la visualisation des données permet d'interpréter et donc de prendre des décisions éclairées. Ben, Est-ce qu'on peut se fier sur ces données-là? Bien, ça, c'est la question qu'on qu doit se poser parce que ça vous prend des scientifiques des données qui vont nettoyer vos données, qui vont les traiter. Parce que oui, c'est possible d'avoir des données qui sont fausses. Et si vous avez des données fausses, votre décision au bout de la ligne va être fausse automatiquement. Alors, il y a un travail de nettoyage, de traitement de données. De, il faut colliger les données. Il faut, d'ailleurs, on le voit ici. Alors, on passe de données éparses, complètement, des données qui sont complètement, on, comme, ça devient des renseignements. Peu à peu, la connaissance. Peu à peu, on comprend les choses et ça nous aide à prendre la décision. C'est ce à quoi la science des données sert. Et la capacité de calcul, parce que ça se fait pas tout seul. Quand on disait que l'intelligence artificielle n'existe pas, ça prend une capacité de calcul. Aujourd'hui, les ordinateurs ont une capacité de calcul de 10 à la 18. C'est quand même extrêmement puissant. Le UDAO, on parlait de, tout à l'heure, je vous ai parlé de GPT. C'est le chat GPT. Alors, ils il utilisent, cette, cette application, c'est-à-dire, utilise 175 milliards de paramètres. Alors, un, un homme intelligent, en moyenne, va être capable de gérer... En, 4 et 6 paramètres en même temps. Une femme intelligente va être capable d'en gérer en moyenne entre 5 et 7. Alors là, on parle de 175 milliards de paramètres en même temps. On compte, ah, je m'excuse, on continue, on remonte un petit peu. Je suis allé vite. Bon, voilà, le logiciel, on passe. Alors donc, il y a. Y a ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on regroupe. Vous voyez ici, ce sont des données. Des données, il y a des noms, il y a des personnes, il y a des vous, valises, il y a toutes sortes de choses. C'est ce qu'on appelle des données éparses. Ça illustre. Ici, vous avez la même chose. Et par regroupement, il y a des modèles mathématiques qui permettent de regrouper. Donc, qui permettent, par exemple, à partir d'un réseau de 1100 utilisateurs de Twitter, on aura qui utilise le mot apprentissage automatique. On a développé une trentaine de groupes qui utilisent. J'utilise l'apprentissage ⁇ l'autre va dire ⁇ Tu utilises ⁇ Enfin, peu importe, ils ont tous utilisé le mot ⁇ Apprentissage automatique ⁇ mais de manière différente. De mani de, et de façon à ce qu'on a, ait identifié une trentaine de groupes. Puis on va voir comment le regroupement, on va voir plus loin, comment ça a permis d'identifier un fraudeur au Japon. Donc, quand vous me disiez, écoutez, comment les données, comment. Bien, il faut les trouver, il faut les évaluer, il faut les valider, il faut les vérifier, puis il faut les hiérarchiser de manière à pouvoir les utiliser pour développer des outils d'aide à la décision. Alors, l'intelligence artificielle, parlons-en. Alors, pour créer un programme performant d'apprentissage profond ou de réseau de neurones qui puisse reconnaître des chats, par exemple. Mais il faut fournir à l'algorithme entre 100 000 et 1 million d'images de chats, alors qu'un bébé, lui, sera capable de les reconnaître après en avoir vu deux ou trois. Alors, on voit que l'intelligence, aussi puissante soit-elle, elle est loin de l'intelligence des personnes, de l'homme. Ça, c'est clair. Mais, mais, mais une application peut faire un milliard de fois mieux une chose qu'une personne. Mais les hommes vont faire un milliard de choses mieux que... Cette application, par exemple. Aujourd'hui, on voit c'est la distinction entre intelligence artificielle restreinte et l'intelligence artificielle générale, qui se rapproche de l'intelligence humaine. On va le voir un peu plus loin les réseaux neuronaux. Alors, dans sa forme la plus élémentaire, l'intelligence artificielle est rendue possible par l'analyse de milliards de données avec des milliards de paramètres. On l'a vu grâce à un réseau de superordinateurs et le développement d'algorithmes mathématiques. Qui émite le réseau neuronal humain. Alors, il n'y a rien, rien d'artificiel. De, c'est des. On va le voir un peu plus loin, il y a des outils. Donc, l'intelligence artificielle, c'est toute tâche exécutée par une machine dont on aurait considéré auparavant qu'elle nécessitait l'intelligence humaine. Il faut, et et il faut la planification, l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la représentation des connaissances, la perception, le mouvement et la manipulation. Aujourd'hui, les applications à l'intelligence artificielle sont toutes capables de faire ça. Pas toutes ensemble, mais une ou l'autre. Puis on va le voir dans les applications plus loin. Alors, donc, ça remonte, l'intelligence artificielle remonte à 1954, et les réseaux neuronaux, c'est extrêmement récent. C'est en 2018. Et les systèmes experts étaient dans les années 90. Alors, les applications à l'intelligence artificielle, bien, il y en a dans tous les secteurs, dans tous les domaines. On va. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le temps est serré, mais il y en a partout. Il y a des applications en finance, dans le secteur de la santé, en agriculture, dans l'immobilier. On va voir des applications tout à l'heure. Alors, il y a, et là, on, il y a sept sous-domaines. Il y a sept domaines et une vingtaine de sous-domaines. Et, euh, bon, alors le traitement automatique du langage, l'apprentissage, il y a différentes façons de représenter l'intelligence artificielle. Il y a la reconnaissance, les types de reconnaissance, l'analytique, la, la robotique. Alors, il y a des. L'apprentissage automatique, il y a une quinzaine d'algorithmes. Je passe rapidement là-dessus parce que c'est juste pour que les gens comprennent que ça existe. Il y a tout ça, existe, il y a des outils. Alors l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et des techniques qui permettent le développement de programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits d'intelligence artificielle. L'apprentissage automatique, ça va plus loin. C'est un champ d'études de l'IA. Et je passe rapidement là-dessus, je reviens, c'est-à-dire je m'excuse. Et l'apprentissage profond... C'est regroupe les, les algorithmes qui permettent au programme de s'entraîner à effectuer des tâches telles que la reconnaissance vocale et la reconnaissance d'images. Alors, ça, c'est vraiment différent. L'apprentissage automatique et l'apprentissage profond, un ordinateur qui utilise, cest une application qui utilise l'apprentissage profond, va apprendre seul. Par exemple, le Go, le jeu de Go, qui est un jeu où on place des pièces qui est beaucoup plus complexe que le, les échecs. L'application a joué contre elle des millions de fois. Elle retient les bons et les mauvais coups. Et elle a appris à jouer tout seul parce que personne ne peut lui montrer à, à, à intégrer des millions de coups. Mais c'est en joie contre elle des millions. Et là, l'apprentissage, cette application, c'est-à-dire, a battu le champion de Go. Et le gars, le gars qui est un professionnel du Go, uh, coréen, a quitté en disant C'est impossible de battre la machine. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui trichent en réseau parce qu'ils disent je vais jouer aux échecs avec vous, mais ils jouent avec l'application. Alors, ça, ça pose un problème d'éthique, tu sais, dans la vie. Si vous dites que vous jouez contre quelqu'un, c'est vous qui devez. Euh... Bon, on continue. Donc, le réseau neuronal artificiel, c'est vraiment ce qu'on appelle. En fait, c'est l'illustration de l'intelligence artificielle. Je passe. Écoutez, rapidement. C'est que, comme j'ai dit, ça prend des millions de chats, donc il faut, il faut, il faut décomposer l'image des oreilles, des yeux, des, des, des pattes, de mille, des millions de fois, les recomposer, décomposer, recomposer, et ça, la machine le fait rapidement et automatiquement, pour recomposer, pour être capable de reconnaître un chat. Alors, c'est vraiment, il faut découper tous les pixels. On passe rapidement là-dessus, mais ça existe et ça prend donc, on voit, des applications importantes. Alors, les réseaux neuronaux, il y a plusieurs types de réseaux neuronaux, il y a plusieurs architectures. Je n'entre pas là-dedans parce que moi-même, je ne comprends pas. Mais l'important, c'est que les gens sachent que ça existe. Il y a des modèles d'algorithmes. Donc, si on se résume, comment est-ce possible, on va vous poser la question, comment est-ce possible l'intelligence artificielle? C'est les transistors aujourd'hui ont la taille de 2 nanomètres, c'est-à-dire du virus du COVID. 2 nanomètres. Il y a des superordinateurs et il y a surtout des hommes et des femmes qui utilisent des algorithmes qui permettent de développer des applications d'intelligence artificielle. Alors, si on parle rapidement d'applications d'intelligence artificielle, bien, écoutez, le premier robot d'épicissage, Google a utilise l'intelligence artificielle pour concevoir des puces en 6 heures, alors quand ça prenait des mois. Il y a un modèle IA qui est capable de reconnaître le Covid par votre voix, l'analyse de votre voix, détection de tuberculose pour les pays en voie de développement qui n'ont pas les machineries, c'est très utile. Il y en a pour la, analyser les grossesses. <coughs> il, y a même, il y a même une application qui dit qu'un robot peut être meilleur que les parents pour détecter des problèmes de bien-être mental chez les enfants. Ça, il s'agit de voir si c'est juste. Classifier les cancers primitifs. L'intelligence artificielle est capable. Parce qu'en montrant, en identifiant des millions de cancers, l'intelligence se rappelle quels sont ceux qui sont les plus dangereux. Donc, alors, on continue. D'essayer la parole à partir de l'activité cérébrale. Ça, c'est une petite bébite qui. Est-ce que vous êtes dépressif ou menteur? Seulement qu'en analysant votre voix, on est capable de le savoir. Alors, Ici, vous n'avez plus de besoin d'apprendre les langues. Enfin, vous n'avez plus de besoin. C'est toujours utile d'apprendre les langues. Mais c'est un traducteur qui permet, avec une lunette, de voir. Vous parlez qu'un japonais et il traduit automatiquement. Vous lisez en anglais ou en français, selon le cas, Là, ce qu'il dit. Ce bateau a traversé l'Atlantique sans aucun pilote. La robotisation, bien, vous pouvez comprendre que c'est multiplié. Ça, ici. Ameka, grâce à sa tête et à son visage entièrement articulé, est capable d'exprimer des expressions faciales extrêmement proches de celles des humains. Et plus ça va, plus ça ressemble à la personne, l'hyperautomatisation est inévitable. Là, ça ici, c'est la première fois qu'une compagnie a nommé une présidente de compagnie. Puis ça, on parle d'une compagnie importante, là, qui a 10 milliards de chiffres d'affaires américains. Le robot, c'est un robot, c'est une application qui, qui est présidente de sa principale filiale. Alors là, on est dans un drôle de monde. Hein? Alors, l'automatisation, je n'en parle pas, parce qu'il faut bien comprendre l'automatisation et la robotisation, c'est deux choses différentes. Ce tracteur, naturellement, aucun, il se dirige par satellite et par euh, l'intelligence artificielle. Ici, les drones sont plus efficaces que les individus. Les drones sont capables de passer à travers des forêts. Alors, on voit ici, ça, c'est un robot qui décharge un camion tout seul, sans aucune application. Ici, on voit cette, ce robot, encore une fois, c'est un autre type de robot qui déplace 700 boîtes à l'heure. Alors, il y a des applications dans tous les secteurs. Ici, ce robot fait des frites, celui-là fait des hambourgeois. Euh, Et lui, croyez-le, croyez-le pas, 3 mètres carrés, vous êtes capable, c'est un robot. Vous êtes capable d'acheter un hamburger. Alors, je ne sais pas si c'est comestible, mais je sais que ça existe. Alors, il y a toutes sortes d'applications en robotique. Ça, c'est intéressant. Les robots de 2 mètres remplissent les étagères au Japon. Ici, ces robots voient la nuit. Ils ont des caméras nocturnes, sentent et éloignent les ours et les sangliers. Alors, je ne sais pas quel bruit ils font, mais ça doit être assez peurant pour euh, chasser les ours. Ça, c'est un capteur qui décide quand il faut arroser. On a des problèmes de sécurité de vie privée. Les applications... Cette compagnie a été, a été euh, condamnée. Elle avait pris sur Internet 100 milliards de photos, sur, euh, sans votre permission, sur Facebook, YouTube, Twitter, 20 mois, en tout cas, peu importe. Et ils, ils, ont, ils, ont, ils ont bâti une base de données de 100 milliards de têtes. Alors, ça, c'est... Vous avez des, plusieurs types d'applications. Et ici, c'est intéressant. À partir des photos du haut et de celles de côté, ces têtes de personnes, enfin ces, ces têtes, ces têtes, c'est-à-dire, ce c'est pas des personnes, ces têtes n'existent pas. Alors elle, lui, c'est assez facile de savoir qu'elle n'existe pas, mais elle, elle n'existe pas non plus. Alors, et ça, naturellement, les, 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 on peut, avec la voix, on peut fausser tout. On, ça ici, c'est des euh, sur LinkedIn. Il faut faire attention maintenant. Il y a des personnages qui sont des, complètement des faux. Vous avez une photo et vous avez euh, des noms, vous avez une histoire, pis, et tout, tout est faux. Et ils vous proposent quelque chose. Et si vous dites euh, oui, ça m'intéresse, là, il y a une personne qui entre en communication avec vous. Ça ici, c'est on parlait tout à l'heure de regroupement. Alors cette euh, cette photo là était sur Twitter et faisait le tour du Japon. Pis il disait envoyez-moi de l'argent et euh, je vais vous je vais continuer à vous expliquer euh, ce que je fais puis où je vais. Et finalement c'était un gars de 56 ans qui avait pris cette photo et grâce à l'intelligence artificielle ils se sont rendus compte que c'était impossible qu'une jeune femme comme ça puisse écrire. Comment ils ont su ça je l'ignore. Alors, tout à l'heure, on parlait des de les nouvelles applications comme Lambda et MOM vont avoir des. Euh, vont, vont, vont révolutionner absolument tous les outils de recherche qui existent aujourd'hui. Ça ici, vous connaissez peut-être AIDA. Elle a vendu une toile, 6 millions de dollars. Et elle a plein de compétitrices, plein d'applications qui développent. Ici, c'est euh, une application qui a développé ce tableau à Colorado State et ça a fait un scandale aux États-Unis. Parce que les peintres ont dit, mais ben attends, depuis quand une application va, va gagner un prix? Et c'est l'application qui a gagné le prix, qui a été reconnue. Puis a alors, ça ici, ce sont des images à partir de textes. Vous demandez, euh, fais-moi un chien avec euh, des lunettes fumées, puis. Euh, alors, ça, c'est à part de texte à image, des applications qui existent aujourd'hui, là. Alors, ça ici, c'est encore plus intéressant. À partir d'une toile de Vermeer... Cette application a développé le contexte, le contexte dans lequel cette jeune femme, à l'époque, au 18e siècle, pouvait évoluer. C'est extraordinaire parce que là, euh, les, les droits d'auteur sont où? Et bien sûr, il y a une poursuite du musée parce que est, est ce que c'est. Euh, et le problème, c'est qu'au Canada, on accepte ça alors qu'aux États-Unis, en Angleterre, en France, on n'accepte pas ces images-là comme droits d'auteur. Alors, des applications à l'intelligence artificielle, je passe rapidement là-dessus. On a parlé de l'analytique enrichie. Pour les entreprises, c'est absolument essentiel. Ça, c'est une application qui est extrêmement intéressante. C'est pour la commercialisation, tout ce que vous devez savoir. C'est assez complexe. Et les applications, bien, écoutez, guerrières, malheureusement, il y en a plein. Et les menaces de l'intelligence artificielle, il y en a plein. Et il y a un danger que l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle la singularité, le, que l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence de l'homme. Donc, euh, ce n'est pas demain la veille, mais il y a un risque. Et les présidents de grandes entreprises en le, en, le formulent, en parlent eux-mêmes. Alors, l'intelligence artificielle peut-elle inventer, obtenir un brevet ou obtenir des droits d'auteur? Au Canada, avec le Canada de M. Trudeau, oui. Alors qu'en Angleterre, en France, aux États-Unis, non. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas comment ça se fait que nous, on dit oui, mais c'est comme ça. Alors, je passe rapidement sur les menaces graves, les menaces de gravité moyenne, les menaces de faible intensité, parce que le temps court, mais il faut comprendre que ça existe. La gestion des données privées... C'est la priorité de la prochaine décade Il faut que les gens prennent conscience que leurs données peuvent être copiées. Ben, la fraude, la fraude fiscale, la fraude euh, avec les cartes de crédit, tout ça existe. Les gens qui reçoivent des messages en disant, écoute, euh, euh, tu sais, grand-maman, euh, je suis Paul, puis je suis au Mexique, puis là je suis mal pris, peux-tu m'envoyer 1000 Si la grand-maman ne s'appelle pas trop, Paul est... Il ne parle plus depuis 20 ans, puis euh, il, y a, il y a toutes sortes de risques il faut être, dont il faut être conscient. Alors, la transformation, bien écoutez, je pense que ça fait le tour. La transformation numérique, bien écoutez, chacun sait que le travail va changer complètement. La composition de la main-d'œuvre va changer. Les emplois, il y a des emplois qui vont disparaître il y a des emplois qui vont être créés, naturellement, ça, ça existe. Et. Il faut faire attention avec l'immigration et le vieillissement de la population parce qu'avec la robotisation, il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître et on va avoir besoin de moins de personnes. Alors, faut, il faut vraiment faire attention. Il faut choisir les gens qu'on qu accepte comme, comme immigrants parce qu'ils vont évoluer avec nous, ils vont évoluer avec la technologie, ils vont évoluer avec la, dans notre société. Alors, il faut faire attention à qui vient, qui rentre, c'est pas, pas parce qu'on a besoin aujourd'hui d'un dans vendeur dans un, dans un dépanneur que dans dix ans on va en avoir besoin. Est-ce que, par exemple, comme Google Maps, est-ce qu'il d'autres applications, comme applications ça? semblables? Est-ce que c'est justement relié à ça? C'est Google Maps a, été, a permis à Google de se développer et de, de devenir une des compagnies les plus riches au monde. Les nouvelles applications, charge GPT, entre autres, par exemple, et des nouvelles applications, vont, vont faire en sorte que Google Maps soit... Son, Google Maps aujourd'hui, vous, vous lui dites, écoute, euh, je vais aller euh, au Colorado. Bon, ben il va chercher Colorado, puis il va chercher toutes sortes de choses. Alors que la, la nouvelle génération, vous lui dites, je vais au Colorado, euh, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut que je prévois Ou je vais, je veux monter l'Everest, qu'est-ce que je dois prévoir? Et là, il va vous fournir la liste des équipements, la liste des personnes avec qui communiquer, la liste des compagnies d'aviation qui vous amènent au Tibet. Enfin, tout. C'est complètement. Alors, ce que Google Maps ne fait pas, il vous amène un Mais... milliard de choix qui sont redondants. Alors que ChatGPT, vous lui dites écoute, fais-moi un texte sur les, euh, les champignons. Alors, il va sortir tous les champignons vénéneux, comestibles. Euh, ceux qui sont au Québec, ceux qui sont euh, en, en France, parce que c'est pas tout à fait la même. Mais ce qui est remarquable quand même Google euh, Maps, c'est pour les itinéraires, c'est qu'il nous suit à la trace, il nous dit exactement où on est, il nous donne les informations. Mais il y a peut-être 100 autres véhicules à la qui tout à fait, et, tout à et, fait, et tout lui, fait, tout à ils fait, pas pour <laughs> Mais il y a d'autres applications justement qui permettent. Qui, euh, qui permettent aux gens de communiquer si en temps réel, si vous êtes devant un, un problème de circulation, un accident, vous communiquez. Et là, lui, dit à tout le monde qui sont dans votre secteur, euh, passe plus par cette route-là, c'est celle qu'on t'avait recommandée, mais là, il vient d'avoir un accident, passe par un autre. Donc, Comme, euh, il nous dit s'il y a des polices de, à tel endroit ou... En ah, plus, mais ça, je pense ça, <laughs> ça les policiers ne veulent pas que... que, que... Mais, mais oui, ben oui parce qu'à l'époque, les, euh, les détecteurs de vitesse sont toujours illégaux au Québec, mais maintenant, avec euh, ces applications, ils, ils vous disent où ils sont, puis ils vous disent où il y a les, les appareils photographiques, donc... Euh, c'est euh, ça peut être extrêmement utile, c'est certain, si vous êtes... C'est quand même remarquable. Qu Ils donnent pour chacun, et quand il peut en avoir des centaines, des milliers en même temps. Des milliers et des millions. Mmh. Parce que c'est justement la gestion des données, la capacité des des superordinateurs avec les algorithmes. Parce que l'algorithme, c'est un modèle qui permet de traiter des données. Avec vos ordinateurs hyper puissants, vous êtes capable de. Des traités pour arriver à la question que vous avez posée. Euh, Est-ce que tel. C'est -ce quoi le meilleur chemin? Le chemin optimal, c'est quoi? Et ça peut être euh, pour. Dans, si vous allez à la pêche, ben il, va, il va analyser l'endroit où vous êtes dans la rivière, puis il va vous dire, tel endroit, c'est mieux euh, au soleil, je ne sais pas pour quelle raison, ou, ou à l'ombre, peu importe quel type de poisson. Et ça, c'est possible de, de le trouver. C'est possible de les. Euh, ça existe, tout existe aujourd'hui, ce sont les bonnes applications. Mais il y a des applications, malheureusement, qui sont reliées à la guerre, qui sont reliées aux robots tueurs. Et ça, c'est. Et là, on tombe dans un problème éthique fondamental. Parce que si un robot décide de vous tuer, parce que supposément, il vous reconnaît, alors qu'il peut très bien se tromper. Parce que, tu sais, c'est. Les, les, les Chinois pour avoir la, pour faciliter, parce que vous savez qu'en Chine, il y a des problèmes. Là, là, il, vous, êtes, vous traversez la rue de dos, ils savent, parce que votre démarche est unique. Bon. Mais comme il y avait des problèmes à reconnaître les Noirs, ben, les, ils ont donné des appareils photographiques dans tout dans beaucoup, beaucoup de villages, puis ils disaient prends des photos de ta famille, prends des photos de tout le monde, et il y avait copie, parce qu'il il y avait copie de toutes les photographies et là, ils pouvaient bâtir leurs données. Parce que s'il n'y a pas de données massives, il n'y a pas de science des données. Alors, ils n'étaient pas, pas capables de faire une reconnaissance avec les autres s'il n'y avait pas assez de données, pas assez de photos. Mais après deux ans, trois ans, quatre ans, de, là, ils en ont eu assez pour développer. Mais par rapport aux Chinois, par rapport aux jaunes, aux jaunes c'est-à-dire aux gens qui, eux autres, ils, sont paris, ils en ont des milliards, puis ils ont des milliards de photos, donc il ne manquent pas de données. Ça, c'est le problème qui euh, se pose avec les. Euh, ça veut dire que ça va continuer, ça va tellement vite, là, que ça va toujours continuer comme ça ou si à un moment donné, euh, il n'y a pas fait de fin? Malheureusement, euh, c'est votre question, euh, moi, je ne peux pas y répondre. Ce que je sais, c'est que malheureusement, ça s'accélère et ça s'accélère dans un sens où. L'identité, parce qu'on parle d'identité numérique maintenant. Bien, écoutez, tant que c'est pour vous aider, c'est bien, mais le jour où j'ai accès à vos données numériques, euh, c'est. Euh, et d'ailleurs, il y a une, un exemple aux Pays-Bas il ils ont développé des, une identité numérique pour les gens qui étaient sur l'aide sociale. Donc au début, c'était bien, mais maintenant, les gens ont accès à ces données-là, puis euh, les gens n'ont plus de vie privée. C'est le problème. C'est le problème de la vie privée. Alors, je vous remercie de m'avoir accueilli. Bien, euh, moi, je vous remercie de nous avoir renseigné comme ça, parce que c'est un sujet qui n'a pas de fin. Ben, qui a pas de fin, pas de fin <laughs> qui va continuer, et qui, euh, mais il faut s'intéresser, il faut commencer, Ça n'est pas un début. Il n'y a le tellement début. pas de fin que peut-être que qu'on sera obligé de vous réinviter pour continuer Bien, aussi. Ça me fera plaisir, certainement. <laughs> mais moi, Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.